Bonsoir et bienvenue sur Europe 1. Nous sommes ensemble pour 2 heures de direct, 2 heures volées à la nuit pour se parler en toute quiétude de tout ce qui fait votre vie. La ligne est ouverte au 39-21. Vous y serez accueillis ce soir par Justin et Assiba sous le regard bienveillant de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et si vous vous retrouvez dans un témoignage, si vous souhaitez partager votre expérience, apporter votre soutien, eh bien vous pouvez à tout moment au cours de l'émission appeler le 39-21 pour dialoguer avec nous à l'antenne. Vous pouvez également nous faire part de vos commentaires, de vos réflexions par courriel sur le site europe1.fr. Uniquement par courriel ou par 39 au 39 21, puisque vous le savez, cette semaine pas de SMS, nous allons changer d'opérateur, il va y avoir un nouveau numéro de SMS à partir de la semaine prochaine, donc surtout n'envoyez pas de SMS au numéro habituel parce que je ne les reçois pas. 39 21, je vous attends. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Alors hier avec Candy, on avait évoqué, elle nous parlait de sa fille qui était en difficulté dans son travail parce que finalement elle avait un peu le sentiment, enfin peur de déchoir, enfin de, et j'avais évoqué un livre, je n'avais pas les références et je voulais vous en parler ce soir. C'est un livre qui a été écrit par Isabelle Métainier, M-E-T-E-N-I-E-R, qui est paru aux éditions Albin Michel et qui s'appelle Crise au travail et souffrance personnelle. Donc c'est une approche assez originale puisque bon, il y a beaucoup de souffrance au travail, on en parle beaucoup ces derniers temps, et cette psychologue, psychosociologue l'évoque en ce sens que ces crises que l'on peut rencontrer dans le monde du travail aussi révèlent en nous des blessures que l'on peut avoir sur un plan beaucoup plus personnel, et donc elle donne aussi des pistes parfois pour les surmonter. Ce qui ne veut pas dire qu'il peut y avoir aussi, comme je le disais hier, de la souffrance au travail liée vraiment à des problèmes à la hiérarchie, à des dysfonctionnements, à la perversité parfois de certaines personnalités, et que dans ces cas-là, évidemment, il faut faire appel au service, à la DRH, au syndicat, à l'inspection du travail et à la loi, hein, tout simplement. Mais ce livre donne des perspectives intéressantes. Voilà, avant d'accueillir Audrey, je voulais aussi faire un petit clin d'œil amical à Vincent, qui est quelque part sur la route entre la Bretagne et Paris, et qui nous avait appelé pour dire que il s'était arrêté comme ça sur l'autoroute, et il avait dîné avec des routiers, ils avaient discuté comme on le fait dans ces cas-là de choses et d'autres, et puis finalement ils en étaient venus à parler de l'émission parce qu'ils écoutaient Europe 1 et ils écoutent tous actuellement l'émission, donc sachez que je suis ravie de vous accompagner comme ça cette nuit et toutes les autres nuits sur la route. Bonsoir Audrey. Bonsoir. Bonsoir. C'est un peu impressionnant de passer à l'antenne. Ah oui, ça je comprends. Ce sont les premières minutes. Après on l'oublie un petit peu. Alors je vais vous aider. Oui. Suite à une sciatique, il y a 1 an, vous avez dû arrêter de travailler. C'est ça. Et donc aujourd'hui, vous vous retrouvez sans travail. Enfin, sans travail, ça veut dire que vous êtes en arrêt maladie. Officiellement, je suis pas en arrêt maladie, mais officieusement, oui, en fait. C'est-à-dire que lorsque j'ai travaillé pour la dernière fois, c'était en octobre 2009. Donc je travaillais un peu, mais j'avais aussi du RSA. Et donc c'était une petite mission d'intérim que je faisais de 2 heures. Et donc après cette mission de 2 heures, je suis allée voir le docteur et on n'a pas trouvé tout de suite ce que j'avais, mais au bout de 3-4 jours, mon médecin m'a dit que j'avais une cruralgie. Mmh.
Et ensuite, je suis allée voir des rhumatologues qui m'ont dit que c'était plutôt une sciatique ou éventuellement une sciatique avec irradiation crurale. Voilà. Et j'ai fait un IRM au bout de 6 mois et pour essayer d'expliquer l'origine de cette sciatique. Et on a trouvé de la dyscarthrose débutante, mais je sais pas si ça suffit à expliquer la sciatique que j'ai eue. Ça, je ne sais pas parce que je ne suis pas médecin, Audrey, hein, donc c'est de l'arthrose débutante. Oui. Vous avez quel âge? 38 ans. Oui. Mais aujourd'hui, comment allez-vous? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de sciatique, c'est horriblement douloureux. Pour autant, on peut être arrêté un certain temps et après reprendre son activité professionnelle. Là aujourd'hui, j'ai, par exemple, tout bêtement, l'autre jour, j'ai été faire des courses à une voisine pour la dépanner. Et après, j'avais mal au dos. Mmh. Voilà. Oui, mais alors, il faudrait peut-être voir de façon à être prise en charge à ce moment-là dans un centre de la prise en charge de la douleur, parce que ça paraît quand même difficilement concevable qu'à 38 ans, vous soyez, vous voyez, surtout à 38 ans, en arrêt comme ça, sans pouvoir travailler. C'est clair. Parce que, enfin, je ne sais pas financièrement comment vous pouvez faire, ou si vous, à moins que vous ayez, je ne sais pas si vous vivez seule ou si. Si je vis seule. Oui. Je vis seule. Je suis au RSA. Bah oui, donc. Et le travail. Que faisiez-vous auparavant? Parce que vous me parliez d'une mission. Quelle était? Oui, j'étais agent de service, agent d'entretien. Oui. Oui, donc effectivement, c'est pas. Ça pouvait mettre votre dos à rude épreuve. Voilà. Et aussi. Maintenant, mon assistante sociale ne souhaite pas que je reste dans cette branche-là. Dans cette branche-là, oui. Est-ce qu'il y aurait pas possibilité d'une reconversion? Est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité d'une formation? Ben en fait, justement, vu mon statut, vu que je suis au RSA, j'ai pas le droit à une formation. Alors, il n'y avait pas des aménagements possibles à ce sujet, justement? Il aurait fallu que je fasse 900 heures de travail dans l'année pour 912 heures, il me semble exactement. Oui, mais parce que justement, il y avait quelque chose qui était fou, parce que qui bloquait les gens. C'est-à-dire que, au fond, ça ne leur permettait pas de rebondir et de les mettre dans une situation où ils restaient comme ça, dans une situation de dépendance, au fond, où ils ne pouvaient pas, où ils n'avaient pas d'autres perspectives d'évolution. C'est-à-dire le RSA, ça devrait être une situation temporaire parce qu'à un moment donné, on est en difficulté dans sa vie. Or, comme vous le dites, vous percevez le RSA, donc vous semblez dire vous ne pouvez pas bénéficier d'une formation, ce qui est fou. Oui. Parce que vous devriez malgré tout pouvoir vous former éventuellement dans un autre domaine pour pouvoir accéder faire autre chose qui vous permettrait de moins faire travailler votre dos, parce qu'effectivement si vous souffrez du dos, être agent de service, agent d'entretien, c'est pas l'idéal, mais dans un autre domaine d'activité votre dos serait mis à moins grande épreuve et vous pourriez retrouver une activité professionnelle et sortir du RSA, donc retravailler. C'est le serpent qui se mord la queue, sinon. Oui, mais comme il y a certainement des possibilités. Comment? Il y a certainement des possibilités. Moi, je les connais pas et. Il faut peut-être vous renseigner. Je vois mon assistante sociale.
Je suis suivie avec un psychologue. Oui, ça, le psychologue, il doit être comme moi. Il est malheureusement pas assez. J'avoue que moi, sur ce plan-là, je connais pas non plus. Parce que moi, je me suis renseignée et. Mon but, ouais, c'était de faire une formation et il, oui, aurait fallu que je fasse 900 heures, 912, oui, heures, il me semble, dans l'année de travail. Et qu'est-ce que vous envisagiez de faire comme formation? Je sais pas exactement, mais une formation, je sais que tous les ans, au mois de juin, le Conseil Général propose des formations oui, qui débouchent sur, qui des formations qui ont des débouchés. Donc, l'une de ces formations-là, déjà, parce que comme je suis au RSA, j'ai pas de financement pour une formation. C'est là où les SMS nous font cruellement défaut, parce que je suis sûre qu'il y a des personnes qui doivent bouillir chez elles en ce moment, et peut-être aimeraient réagir. Si c'est le cas, appelez-nous au 3921 pour peut-être, il y a peut-être justement des possibilités de formation. Alors vous aviez habituellement, vous avez l'habitude de réagir par SMS. Appelez 3921 parce que c'est important, si vous avez connaissance d'une possibilité malgré tout de formation, ben venez nous le dire, 3921, ou envoyez-nous un mail sur le site europe1.fr. Parce que ça peut aider Audrey et puis d'autres personnes qui sont dans sa situation. Parce que c'est vrai que c'est dommage là que votre horizon soit bloqué. Ben tout à fait. En fait, si j'avais eu un droit ouvert aux ACEDIC, ça aurait été complètement différent. Là, on peut avoir beaucoup plus facilement accès à une formation quand perçoit les ACEDIC, mais moi j'ai plus de droit ACEDIC depuis longtemps, je touche le RSA et voilà. Mmh. Donc j'hésite. Donc RSA, si vous aviez le RSA, mais en ayant fait plus de 900 heures, vous pourriez avoir une formation. Ouais, mais c'est pas... ça, il y a un nombre d'heures. En ayant fait déjà 900 heures, je pense que peut-être ça donne droit déjà aux ACEDIC. C'est ça, ouais. Mais quand on est au RSA. Moi, ça fait 20 ans que j'essaie de faire une formation. Et... Mais pourtant, ou alors j'ai quand même pas halluciné d'entendre que justement, c'était pour permettre, même en étant au RSA, qu'on puisse malgré tout bénéficier, contrairement au RMI, de pouvoir suivre une formation en parallèle pour sortir, de ne pas être enfermé. Parce que sinon, ça veut dire qu'alors, si on est à le RSA, ben, on est enfermé là-dedans. On n'a pas la possibilité, à moins de évidemment retrouver un travail, mais qu'on ne peut pas, on ne peut pas espérer faire quelque chose d'autre, se former, alors que ça peut être justement le moment pour envisager quelque chose, pour essayer de faire quelque chose de plus diplômant, de profiter de cette période d'inactivité. Guillemets, pour apprendre, pour valider les connaissances. Je sais qu'il y a des gens qui sont au RSA, ils font par exemple un contrat d'avenir, donc ils cumulent le salaire de leur contrat d'avenir avec une partie du RSA, et du fait qu'ils font un contrat d'avenir, on leur propose une petite formation. Mais, donc ce sont des personnes qui travaillent, mais moi ce que j'aurais souhaité c'est... Et pourquoi c'est pas possible pour vous ce contrat d'avenir? Déjà, je sais plus dans quel secteur m'orienter, vu mes problèmes de dos, parce que je vous dis, l'autre jour, je vais faire des courses pour une voisine, hop, j'ai mal au dos. C'est moi, je l'accepte pas. Non, mais d'accord, mais ça, déjà, il faudrait peut-être réfléchir à savoir vers quoi vous diriger. Ben, j'ai pas de formation, j'ai uniquement un bac. C'est déjà pas mal, hein, Audrey? C'est oui. Déjà, attendez, c'est déjà pas mal, Audrey, vous rendez pas compte? Oui, enfin c'est... Ah si, un bac, je suis sûre que parmi vos collègues, beaucoup n'avaient pas le bac. Tout à fait. C'est important parce qu'un bac, ça vous ouvre quand même pas mal de possibilités. Hein. Vous savez, enfin, le bac... Les gens qui sont reçus à des concours, c'est souvent des gens qui ont des licences ou des maîtrises. Oui, mais vous savez, vous pouvez même avec un bac... vous pouvez, en reprenant même des études, vous pouvez déjà faire... regarder bac plus 2. Deux ans plus. Je me sens... Avec le vécu que j'ai eu, je ne sens pas de reprendre des études.
Ben, actuellement. Mais vous êtes encore jeune, Audrey. Vous rendez compte, vous avez 38 ans. Hein. Il y a des gens qui reprennent des études. Avec mon vécu, avec les médicaments que j'ai, etc. Médicaments pour la douleur ? Non. Je les prends plus, les médicaments pour la douleur. Bah, quel type de médicaments prenez-vous ? Un petit peu de tout, sauf des antidouleurs. Mais pour la dépression ? Oui. Oui, parce que ça ne va pas aussi moralement. Non. Mais est-ce que vous êtes dans un endroit où il y a un hôpital avec une consultation de prise en charge de la douleur ? Oui, il y a un hôpital de cette sorte, oui, là où j'habite. Est-ce que vous avez été voir dans cette consultation ? J'avais téléphoné. En fait, la douleur n'est pas permanente. Mais peu importe. Ah bon ? Peu importe, parce que la douleur, aujourd'hui, il y a de plus en plus de consultations spécialisées dans la prise en charge même de la douleur, parce que c'est véritablement longtemps elle a été négligée, la douleur physique, ou pas reconnue, pas prise en charge. Et aujourd'hui, il y a des consultations véritablement spécialisées, où des spécialistes différentes spécialités s'attachent à réduire considérablement la douleur. Vraiment, déploie tous les moyens qui existent aujourd'hui pour faire en sorte de la réduire, de la diminuer, je ne parle pas avoir, bon, de la soulager au maximum. Hein, donc, travaille vraiment en équipe pluridisciplinaire. Et je pense que ça vaudrait vraiment la peine que vous preniez un rendez-vous déjà au sein de cette consultation. On m'avait dit qu'il fallait que je passe par mon généraliste, que mon généraliste me fasse oui, un mot. Oui, tout à fait. Tout Mais à fait. Ce qu'il y a, c'est que le travail que j'ai effectué avant ne me plaisait pas. Oui, mais attendez, là, j'entends, Audrey, mais je reviens, moi, sur la prise en charge de votre douleur, parce que, si vous voulez, quand on souffre d'une douleur comme ça, même si elle n'est pas chronique, même si ça joue considérablement sur le moral. Hein. Oui. Ça a des répercussions. Donc, il serait quand même important d'aller voir des personnes qui... Parce qu'il y a eu des avancées considérables dans ce domaine. Oui. Et vraiment, c'est pour ça que je vous posais la question, parce qu'aujourd'hui, la majorité des hôpitaux sont équipés. Parce que j'en avais déjà parlé à mon médecin de ça. Oui, et que vous a-t-il dit ? Et il m'a donné des médicaments... Voilà. C'est lui qui s'est chargé de me donner des médicaments, un antidouleur. Oui, mais enfin, dans la mesure où vous avez une consultation spécialisée, il vaudrait quand même mieux que vous vous orientez vers cette consultation. Parce qu'à la fois, il y a donc des médecins rhumatologues, souvent, donc qui pourraient voir par rapport à vos problèmes d'arthrose, mais il y a aussi des acupuncteurs, il y a aussi, souvent, il peut y avoir des ostéopathes, il y a des kinés, il peut y avoir des psychomotriciens. Il y a plusieurs spécialités. Il y a plusieurs approches et qui travaillent de concert, je vous dis, pour essayer de soulager la douleur. D'accord. Donc, évidemment, par le biais avec des médicaments, mais aussi avec d'autres approches, d'autres disciplines. D'accord. Donc, ça serait important que vous ne restiez pas comme ça à souffrir... dans votre coin, parce que on sait mieux la prendre en charge. Bon, il y a des douleurs dont on a, voilà, qu'on ne sait pas encore très bien soulager, mais il y a beaucoup de douleurs aujourd'hui qu'on sait vraiment mieux soulager, alors qu'auparavant les gens restaient et souffraient atrocement sans qu'on ne puisse rien faire. Et c'est important, c'est d'autant plus important, Audrey, je vous le dis, que ça affecte terriblement aussi le psychisme, hein, de souffrir. Donc, ça vous permettra aussi de retrouver un peu d'énergie pour envisager votre avenir.
Parce que c'est pas étonnant que vous ayez du mal à vous projeter dans l'avenir si vous souffrez. Mais même oui, enfin, avec mon assistante sociale, elle me conseille pas de reprendre dans le travail dans lequel j'étais parce que. Mais je ne vous dis pas ça. J'ai que ça comme travail. Mais pas forcément. Pour le moment, votre horizon vous semble très limité. Mais pas forcément, Audrey. Vous avez 38 ans, vous avez un bac, il peut y avoir d'autres possibilités. Votre vie ne s'arrête pas à être agent de service. Votre assistante sociale, ce n'est pas le bon Dieu. Attendez, sociale... J'ai déjà étudié toutes les... Mais non, je crois que vous n'avez pas tout étudié. On va accueillir Daniel qui est avec nous au 39-21. Bonsoir Daniel. Oui, bonsoir Caroline, bonsoir Audrey. Bonsoir. Alors je crois qu'il faut vous changer d'assistante sociale. Parce que, ou elle n'est pas bien formée pour le RSA, parce que le RSA, bien au contraire de ce que vous dites, permet plein de formations. C'est fait pour ça. Comme le RMI auparavant, dans d'autres modalités, mais vous avez travaillé comme agent de service, vous avez travaillé dans une collectivité territoriale, dans une mairie, dans une commune. C'était pour l'université. D'accord, donc vous avez eu un contrat à durée déterminée. Tout à fait. De combien de temps? C'était des petites missions. Oui, mais en tout, ça faisait combien? En tout... Je ne sais pas, 6 mois, 3 mois... Au moins 6 mois. 6 mois, donc déjà, ça vous ouvre des droits. Mais là, vous êtes au RSA, ça veut dire que vous n'avez pas eu le droit aux ACEDIC. Tout à fait. Voilà, et vous avez un problème de santé, j'ai bien compris. Donc, il faut essayer déjà de régler votre problème de santé. Et normalement, votre assistante sociale qui s'appelle la personne qui est instructeur de votre dossier devrait également, puisque normalement, vous ne payez pas les soins en étant au RSA. Oui. Donc, elle peut tout à fait vous orienter. Si vous n'êtes pas satisfait de la personne qui suit votre dossier, vous pouvez aller voir le CCAS de votre ville. Vous habitez dans quelle région? Dans le Finistère. Dans le Finistère, dans une grande ville? Oui. Dans une grande ville, ça vous dérange de dire où, non? Brest. Brest. Bon, ben, Brest, en plus, c'est Monsieur Le Drian qui est toujours maire. Non, c'est plus lui peut-être, mais enfin peu importe. Donc c'est une grande collectivité, donc vous pouvez très bien lâcher votre assistante sociale et aller au CCAS de la ville pour trouver un autre instructeur. Peut-être qu'elle n'est pas assez formée, je ne sais pas, elle est peut-être nouvelle, elle est peut-être... Bon, nous on constate qu'en mairie, les gens sont plus formés que dans les conseils généraux, enfin ce qui dépend des conseils généraux, dans les circonscriptions d'action sociale ou dans les territoires, ça porte différents noms, suivant les départements. Parce que nous, on a déjà constaté que certaines personnes suivies par les assistantes sociales, elles sont formées surtout pour suivre les familles. Et les personnes isolées, c'est pas leur créneau, quoi. Moi, du fait que j'habite une rue précise... Oui, j'ai une assistante sociale précise. Voilà. Le secteur, mais oui, si vous c'est normal. Mais si vous allez au CCAS, c'est pas le département, c'est la ville. Vous avez le droit, les services instructeurs, ils se divisent entre la mairie, enfin le CCAS, Centre Communal d'Action Sociale... Et l'assistante sociale qui dépend du département. Donc ça existe partout. Donc vous avez le droit de demander de changer. Alors vous ne changez pas d'assistante sociale du département, mais vous allez aller au CCAS et vous allez demander à la personne, l'instructeur du RSA. Il doit y en avoir plusieurs à Brest. Vous devez d'ailleurs dépendre d'une mairie de quartier, j'imagine. Non, Brest, il n'y a qu'un seul hôtel de ville, il n'y a pas de mairie de quartier. Ah non, si, il y a des mairies de quartier, voilà. Mais je n'y vais pas. Ben voilà, et ben faut y aller. Donc, instructeur, vous m'avez dit Ben, la personne qui se charge d'instruire, enfin de suivre, en plus de suivre votre dossier avec vous. Ça s'appelle, je ne suis plus le service instructeur, enfin bon, la personne en charge du RSA, et vous demandez à la voir, même ne serait-ce que pour un conseil, même si elle ne reprend pas votre dossier, elle pourra vous orienter. Parce je lui demande de vous me conseillez bah, de lui bah, demander de changer d'assistante voir, sociale. Vous allez voir la personne déjà, vous demandez un rendez-vous, vous expliquez votre histoire et vous faites pas abstraction de problèmes de santé parce que ça c'est vrai que vous avez un bac donc ça devrait vous ouvrir pas mal de perspectives quand même. Comme vous disait Caroline tout à l'heure, un bac c'est pas rien, hein, tous les agents de service sont loin d'avoir un bac. Donc vous pouvez faire mieux d'autant plus que vous avez un problème de santé. Donc il faut aller prendre au moins conseil auprès d'une autre personne qui instruit les demandes de RSA et qui fait les suivis et qu'elle vous conseillera peut-être autre chose, à défaut de prendre votre dossier en charge. Vous avez le droit de choisir votre service d'instructeur. Tout le monde ne le sait pas, mais c'est un droit. Mais quand vous dites j'ai le droit de choisir mon service d'instructeur, oui.
La personne, toi, le vous verrez peut-être toi, cela. Le service départemental, mais on va pas trop rentrer dans les détails là, hors antenne. Vous irez vous renseigner auprès du service concerné et poser toutes les questions voilà. À ce moment-là, Audrey. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'on peut pas passer non plus toute la nuit là-dessus. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il y a des pistes, contrairement à ce que vous pensez, parce que actuellement, visiblement, il y a quand même un problème dans votre prise en charge. Et vous avez l'impression que l'horizon est très bouché. Alors qu'il y a vraiment des perspectives. Hein. Oui, surtout Brest, c'est une grande ville. Oui, c'est ça. Donc, tant au niveau de la prise en charge de votre douleur, parce qu'il y a certainement des possibilités là, de prise en charge, demandez à votre médecin, vous dites, voilà, moi j'aimerais aller dans, voir la consultation de la douleur, il vous fait une lettre. Oui. Bon. Et puis, comme vous le dit Daniel, vous renseignez auprès de ce service et voir un petit peu ce à quoi vous avez droit. Virginie également nous dit effectivement la reprise d'études, une formation courte en alternance est possible avec le RSA. Encore faudrait-il qu'elle ait une idée de ce qu'elle a envie de faire. Voilà. Mais alors, les formations en alternance, c'est payé en pourcentage du SMIC par rapport vous à l'âge. Vous verrez. Ne fermez pas toutes les portes. Audrey, voilà. C'est vous-même, vous êtes en train de tout refermer là aussi. Hein. Vous êtes dans quelque chose où de toute façon, au fond, vous êtes... Bon, c'est important. Alors, vous me dites, vous faites un peu un travail, semble-t-il, auprès d'une psychologue. Bon, tant mieux. Mais aussi, semble-t-il, dès qu'on vous propose aussi quelque chose, vous refermez la porte. Hein. C'est bon. Alors, à 38 ans, faut... Parce que je n'ai pas trop compris ce que je dois demander à l'instructeur du RSA. Eh bien, vous allez lui expliquer ce que vous venez d'expliquer à Caroline en disant que, voilà, les renseignements qu'on vous donne ne semblent pas être suffisants. Vous demandez l'avis à une autre personne. D'accord, voilà. Et puis après, vous aussi, dans votre travail, dans la thérapie que vous faites, vous allez aussi réfléchir à quel type de formation vous envisagez. Hein. Et surtout à Brest, il y a plein d'associations, c'est vraiment, ils sont très ouverts là-dessus. Donc vous seriez en pleine campagne, je dirais, là, vous êtes mal. Mais à Brest, là, franchement, je ne comprends pas. Bon courage, en tout cas, merci beaucoup Daniel de nous avoir appelé. Merci pour ces informations. Merci Caroline, et à bientôt. Bon courage à vous Audrey, au revoir. Merci, au revoir. Guillaume Grand, toi et moi. Bonsoir Émilie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je vous remercie d'abord d'avoir sélectionné mon appel. Ah ben, je vous en prie. Et je vous remercie toujours de vos conseils qui sont toujours éclairants et éclairés. Merci, attendez de voir. En fait, je vous appelle au sujet d'un ami que je viens de perdre, qui est décédé dimanche. Oui. Vous m'entendez ? Oui, oui, très bien. Et le souci, c'est que c'était quelqu'un qui m'était très très proche, mais avec qui j'étais brouillée depuis à peu près 3 ans. Mmh. Et du coup, je suis assez gênée, je n'ai pas osé, par exemple, je n'oserais pas aller à ses obsèques. Et je me sens à la fois frustrée et puis à la fois très triste de son décès. Oui. Vous m'avez dit que... Attendez, on m'a parlé à ce moment-là dans le casque, je suis désolée. Donc, vous m'avez dit que vous n'oseriez pas aller à ses obsèques ? Oui, parce que au moment où nous sommes brouillés, je lui ai beaucoup reproché de ne plus avoir de place dans sa vie. On était amis très très proches, mais il n'y a jamais eu quelque chose de plus. Et en fait, j'ai jamais fait partie des moments, je dirais, agréables de sa vie. Je suis jamais sortie avec lui, etc., malgré mes demandes. Et j'ai jamais fait connaissance ni de ses autres amis, ni de sa famille proche. Et c'est pour ça que je n'oserais pas me venir en fait à ces obsèques, parce que d'une part je m'y sentirais très isolée, et d'autre part j'appréhende l'accueil j'appréhende l'accueil qui peut m'être fait. Vous ne connaissez aucun vraiment de ses amis? Je les ai aperçu quelques fois, une fois à une de ses fêtes d'anniversaire, j'étais présente, mais très brièvement.
Mais en fait, très peu, il m'a... On a été amis aussi, bon, dans la douleur, quand il m'a connue, j'étais dans une période assez, assez difficile pour moi. J'étais j'avais commencé un travail sur moi, j'étais en, vraiment en grande tristesse. Et donc, on s'est connus aussi par ce biais-là, parce qu'il a su m'aider à ce moment-là. Et lui a ensuite plongé dans une importante dépression. Et disons qu'il séparait vraiment les moments où il allait faire la fête, où il était en joie, où il était avec ses amis, et les moments où il se confiait à moi à ce sujet. Mmh. Et donc, c'est, ben aujourd'hui, c'est difficile pour moi de j'avais fait un peu le deuil de cette relation, mais disons, c'est, j'espérais... Elle s'est terminée de quelle façon? Assez brutalement? Elle s'est arrêtée, alors pardonnez-moi de vous dire ça, parce qu'elle s'est terminée, évidemment le deuil vient son décès vient la terminer de façon extrêmement brutale, mais vous vous étiez brouillée au fond pour quelle raison, enfin, qu'est-ce qui a créé cet éloignement? L'éloignement déjà c'était géographique, parce que j'ai entrepris des études ailleurs. Et avant cela, c'était aussi parce que... Outre le fait que vous preniez un peu ombrage, qu'il ne vous présente pas à son groupe d'amis, vous aviez des sentiments, vous, plus importants que l'amitié? Moi, non, pas particulièrement. Mais disons que le fait qu'on ait partagé, qu'on était en communion à un moment sur notre souffrance, ça nous avait énormément rapprochés. Après, il n'y a jamais eu de sentiments amoureux entre nous, pour des raisons... assez d'aspirance physique, disons. Mais on avait vraiment l'impression d'avoir été tous les deux en communion sur une souffrance. Oui, c'était une relation très intimiste, finalement. Voilà. Il avait ses amis avec qui qu'il voyait plutôt en bande et tout. Et là, vous aviez une relation où... C'est ça, sur un mode très, très intime, parce que vous communiquiez sur des choses qui ne pouvaient se dire que presque dans une relation à deux. Vous aviez un échange très profond. Voilà, oui, c'est ça. Oui. Sans qu'à côté, il y ait quoi que ce soit. Oui, je comprends. D'accord, je comprends mieux. Et c'est alors, pourquoi vous ne vous sentez pas légitime dans le fait d'assister à ces obsèques? Parce qu'en fait, à part sa souffrance, j'ai pas l'impression d'avoir partagé sa vie. Ça peut être peut-être curieux de le dire ainsi, mais j'espérais justement qu'après, si vous voulez, qu'après cette période de souffrance, j'avais cherché à ouvrir un peu mes horizons. Oui. Et j'espérais qu'il puisse me faire connaître justement ces groupes d'amis, vous auriez, etc. Oui. Ce qu'il n'a jamais fait. Avec de recul, je sais que c'est peut-être un peu illusoire d'attendre de quelqu'un ce qu'on aimerait qu'il fasse. Mais oui, vous en auriez eu envie, en tout cas. Vous auriez beaucoup aimé. Mais je comprends. Hein, je comprends. Et c'était même sain de votre part. Ça peut se comprendre. C'était légitime, en tout cas. Je comprends cette envie de votre part, Émilie, de dire bon, voilà, on a partagé des moments difficiles, de la souffrance, des moments douloureux, dire bon, mais on peut aller vers autre chose et dans de cette intimité partagée, vous aviez envie d'être intégrée à sa vie, de rencontrer ses amis, mais peut-être que lui, consciemment, inconsciemment, vous étiez sa confidente, il y avait une partie de lui très intime, très profonde que vous connaissiez, que vous étiez la seule à connaître, et ses amis ne connaissaient pas cette partie-là de lui, et donc il préservait, il ne vous mêlait pas à cela. Je comprends. Donc, vous avez, ce que je veux dire, c'est que vous avez tout autant votre place, et je pense que c'est important pour vous, que ça va vous aider d'être présente aussi ce jour-là, le jour des obsèques. Caroline, c'est demain, et à cause de mon travail, je ne pourrai pas m'y rendre. Ah, c'est dommage. Par contre, je pensais écrire un petit mot tout de même à sa famille pour dire que même si aujourd'hui j'étais plus là tout à fait dans sa vie,
que je voulais quand même leur apporter un soutien à leur douleur, parce que je l'avais tout de même bien connu. Est-ce que vous trouvez ça judicieux? C'est... Vous ne connaissez pas ses parents, hein, donc vous m'avez dit. Non. Non, pas vraiment, je resserrais la main, voilà. C'est intrusif? Ah, je n'ai pas dit ça. Non, pas du tout. Non, pourquoi? Non, c'est moi qui le ressens comme ça, je me demande. Non, vous avez besoin de le faire. Je pense. Oui, je pense que vous pouvez mettre, effectivement, leur mettre un petit mot, pourquoi pas, oui. Parce que ça semble important pour vous de symboliquement qu'il y ait quelque chose. Oui. Pour vous, oui. Pour marquer quelque chose. C'est l'importance qu'a eu ce garçon dans votre vie, cette rencontre et... Beaucoup. C'est pour ça que je vous disais que cette rencontre, c'est bon, vous ne pouvez pas y être, c'est comme ça, hein, en raison de votre travail. Vous penserez à lui demain, et d'ailleurs pas que demain, hein, puisque on voit bien depuis que vous avez appris son décès, vous pensez à lui. Et c'est pour ça que vous aviez tout autant votre place que ces autres amis qui partageaient d'autres moments avec lui. On est différent selon les amis avec que l'on a, avec qui l'on est, voyez. Avec vous, il avait d'autres échanges. Oui, je comprends. On montre, on est multiple, on est complexe et on offre certains aspects de notre personnalité avec certains. D'accord. Et avec d'autres personnes, d'autres, vous savez, les proches, nos proches, ce sont souvent ceux que l'on connaît le moins. Hein. D'accord. Et donc, au fond, pour vraiment appréhender la complexité d'une personne, une vie n'y suffit pas. Donc, vous touchez ça du doigt, c'est-à-dire que vous avez, vu... une facette de la personnalité de ce garçon, ses amis ont vu d'autres aspects, mais ça ne suffit pas à le définir. Et pour autant, ce que vous avez vécu avec lui, c'est unique. Après, vous savez, il y a des personnes qui nous touchent infiniment, avec qui on a pu passer 2 heures dans une vie, d'autres c'est 2 ans, d'autres c'est 20 ans, on ne sait pas pourquoi parfois. Hein. C'est pas toujours lié à la durée d'ailleurs. Je comprends. Oui. Excusez-moi. Non, allez-y. C'est d'autant plus, si vous voulez, plus douloureux pour moi que les seules relations enfin, que j'avais eues avec lui, elles étaient minimes. C'était vraiment ce que je pouvais lire de lui sur son blog, sur les différents réseaux sociaux sur lesquels nous étions abonnés. Et c'est par là que j'ai appris, en fait, son décès. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Un problème médical. D'accord. Je suis pas certaine de ce que c'est, mais je vous saviez qu'il était malade? C'est pas une maladie, en fait. C'est arrivé. Non. C'est ça qui. C'était vraiment brutal, sans prévenir. 2 jours avant, il avait écrit quelque chose. Et... D'accord, donc il n'en avait pas parlé avant. Non. Mais qu'est-ce qui vous rend, au-delà de son décès, évidemment, qu'est-ce qui vous rend aussi. Malheureuse finalement, parce qu'il y a quelque chose du fait que aussi si vous voulez je m'en veux aussi d'un certain oui j'ai l'impression il y a une culpabilité oui parce que en fait je lui en ai beaucoup voulu pendant plusieurs années de la manière dont on s'était brouillé oui. Et du manque d'attention qu'il avait pu avoir pour moi. Et moi, si vous voulez, j'ai été élevée dans une
dans une famille, pas, je dirais pas, chrétienne, très pratiquante, mais avec des, disons, des comment dire, des principes et des choses qui nous aidaient à vivre. Mmh. Et l'une des choses, c'était de, disons, de repenser à des choses bien de la personne quand on, si elle mourait, et de, pour qu'elle puisse partir en paix aussi. Et le fait que ça soit si soudain et que j'ai été un peu sur ma faim sur la relation parce que ça s'est mal fini, je m'en veux de si vous voulez, indirectement de lui en vouloir de ce qu'il a fait. D'avoir eu des mauvaises pensées à un moment, comme d'avoir, on dit un voilà, peu. D'avoir eu la rancune tenace. Oui. C'est pas ça qui va l'empêcher de reposer en paix par rapport à vos valeurs chrétiennes, hein. Vous savez, c'est finalement si vous avez eu la rancune tenace, comme vous dites, Émilie, c'est parce que cette relation comptait beaucoup pour vous. Oui. Vous l'aviez beaucoup investie. Oui. Donc vous étiez dans une très grande attente par rapport à cette relation. Oui, bien sûr. Et finalement, la rupture de cette relation a laissé un vide dans votre vie. Donc du coup, vous lui en avez voulu, mais ça, c'est humain. Mm-hmm. Hein, ça arrive quand on a beaucoup investi une relation et puis que l'autre vient à manquer ou que finalement, il n'est pas à la hauteur de nos attentes, de nos espérances. Et ça peut arriver, parce que nous aussi, mais ça arrive qu'on ne soit pas à la hauteur des espérances de quelqu'un. Eh bien, la personne peut nous en vouloir. Et on est humain, on est faillible. Donc, on peut provoquer de la rancune ou on peut en éprouver. Pour autant, c'est pas ce qui va empêcher la personne d'avancer dans sa vie ou, voyez, ou en allant plus loin, provoquer. Parce que si on va plus loin, là, dans la dimension, en allant plus loin, parfois on peut avoir le sentiment que quand on est enfant, ça c'est des choses, mais dans l'inconscient, on a ça inscrit en nous. Quand on est enfant, on peut dire que d'avoir des mauvaises pensées, ça peut aller jusqu'à faire mourir les gens. Je vois ce que... Comme une espèce de châtiment. Oui. Hein, donc, et c'est ce que, enfin, j'entendais chez vous. Bien sûr, au-delà du fait que vous êtes très malheureuse d'apprendre la mort de votre ami, vous êtes d'autant plus malheureuse que ça s'est terminé sur une brouille. Et que du coup, eh bien, cette brouille, vous pouviez vous dire, on peut se retrouver, la vie peut faire qu'on se retrouvera, qu'on pourra en parler, s'expliquer, et c'est ce qui est compliqué quand la mort survient, c'est que ça enlève cette possibilité-là. Oui, c'est ça, oui. Voilà, donc c'est d'autant plus compliqué de faire ce travail de deuil parce qu'il y a cette dimension du plus jamais. Mais je crois que là, il faut que vous soyez que vous vous apaisiez un peu par rapport à cela, parce que vous avez vécu des choses très très fortes tous les deux, où vous avez mis, comme vous dites, vous avez beaucoup parlé autour de la souffrance. Oui. Donc à un moment, peut-être que vous vous êtes aidés, soutenus mutuellement, et vous aviez besoin l'un et l'autre de reprendre le cours de votre vie. Vous étiez très jeunes l'un et l'autre, hein. Vous avez aujourd'hui, je crois, 25 ans, c'est ça ? Oui. Donc quand vous êtes connus, vous étiez encore plus jeune. Donc vous aviez besoin d'avancer, et puis peut-être qu'au fond, il s'est dit, je mélange pas tout, consciemment, inconsciemment. Je vous dis, il voulait, c'était une façon de se préserver, peut-être de préserver votre relation. C'est compliqué de mettre trop de souffrance en commun parfois. Et vous pouvez pas vous en vouloir de cela. C'est une rencontre qui a compté dans votre vie, on l'entend, dans la façon dont vous nous parlez de ce garçon. Oui. Certainement que vous avez aussi beaucoup compté pour lui. C'est plutôt ça qu'il faut retenir, Émilie. D'accord. Plutôt que de vous dire... plutôt que de vous en vouloir.
de ce qu'il a pu penser. Je pense. D'accord, oui. Oui, vous m'apportez un éclairage nouveau. J'avais pas perçu les choses comme cela. Parce que peut-être aussi parce que moi, au bout d'un moment, je m'en étais sortie de ma récurrente tristesse et que j'étais peut-être aussi plus dans ce partage. Et peut-être que ça a aussi joué le fait que qu'après cela, il est peut-être plus trouvé en moi toutes les ressources communes, toute l'empathie que j'avais pu avoir parce que j'avais partagé quelque chose de très fort avec lui. Oui, oui, mais je crois que c'est votre culpabilité là qui était un peu lourde à porter. Alors que bon, je vous dis, c'est n'est pas à culpabiliser à un moment aussi de lui en avoir voulu ou de lui en vouloir. C'est humain aussi. D'accord. Hein? Voilà, c'est... Ça nous arrive à tous, vraiment. D'accord. Mais vous pouvez écrire, vous dites vous écrivez à ses parents, vous pouvez écrire aussi ce que vous ressentez, vous. Ça peut vous aider aussi, de le coucher un peu sur papier pour vous. Oui, d'accord. Au fond, ce que vous n'avez pas pu le dire, vous pouvez aussi le mettre en mots. Je comprends, d'accord. Merci en tout cas, Émilie. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Agnès Aubel, Riverside. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Alors Sébastien, vous m'appelez parce que vous voulez me parler des drogues douces, selon votre expression. Ouais, en gros c'est ça, ouais. Bah, c'est comme ça que c'est le plus communément appelé à mon avis. Enfin, voilà, tout ce qui est... Je reprends votre expression, quoi. Parce que je dis bien, parce que pour moi, à mon avis, il n'y a pas de drogue douce, véritablement. Mais vous avez raison, c'est ce qu'on entend dire en opposition aux drogues dites dures. Voilà, j'utilise les mots employés. Bon. Oui, oui, tout à fait. Pour rester dans le correct, enfin, pour rester dans le compréhensible. Bref, oui. Allez-y. Ah ben non, c'est vous. C'est moi. C'est vous qui allez développer. Oui, oui. Eh ben... On va partir, c'est voilà la question. Alors vous avez 22 ans. Ouais. J'ai 22 ans, voilà. Je ne vis plus chez mes parents, chez ma mère. Oui. Donc j'ai pris mon indépendance, j'ai mon boulot, machin. Et est-ce que je trouve, j'étais fumeur avant, je suis encore fumeur maintenant, peut-être un petit peu plus régulièrement. Ça reste assez léger. C'est un peu dur, faut y arriver. Vous fumez à peu près combien? Quelle est votre consommation après quand vous dites léger? Ce serait l'équivalent de peut-être 10-15 euros par semaine. C'est pas grand chose, hein. Mais ça reste un rituel que je dois faire. J'ai pas l'impression que c'est comme la clope. Il y a vraiment un phénomène physique. Financièrement, ça ne me donne pas un ordre d'idée parce que c'est vrai que ça, n'étant pas fumeuse moi-même, ça ne me donne pas. Ouais. Dans la semaine, ça va vous faire trois soirées consacrées à ça en fait. On ne va pas fumer. Je n'ai pas fumé des tonnes de joints, mais et voilà, ça va être tourné toujours autour de ça en fait. D'accord. On va marquer une pause. Bien sûr. Hein, pas le temps de se faire un joint, hein, Sébastien, mais le temps du journal où on va retrouver, bien sûr, Jean-Michel Duez. Donc ne raccrochez pas et on vous retrouve tout de suite. Si vous nous rejoignez maintenant sur Europe 1, cette émission est la vôtre. Vous pouvez témoigner en toute liberté de tous les sujets qui vous tiennent à cœur au 39-21. Vous pouvez également à tout moment réagir à ce que vous entendez sur cette antenne en appelant le 39-21, en nous envoyant un courriel sur le site europe1.fr.
pas de SMS pendant toute la semaine. Nous sommes dans une période de transition. Nous allons avoir un nouveau numéro SMS à partir de la semaine prochaine. Alors surtout, n'envoyez pas, mais vous pouvez, je vous le dis, si vous êtes sensible à un témoignage, eh bien venir en parler directement avec nous à l'antenne jusqu'à une heure. La ligne est ouverte, 39-21, ou les courriels sur le site europe1.fr. Justement, Romuald, revenez sur le témoignage de Françoise qui était victime d'agression de la part de son frère, pour nous dire que s'il n'y a pas de traces corporelles, il est possible de s'en remettre à un praticien pour expertise psychologique, sachant que certains d'entre eux sont assermentés pour témoigner devant les autorités judiciaires. Nous sommes en ligne avec Sébastien. Oui, Sébastien, vous êtes là ? Oui. Alors Sébastien, donc vous êtes un fidèle auditeur du Québec depuis 2 ans, vous nous écoutez via les podcasts. Et alors là vous souffrez d'un sentiment de peur, d'insécurité. Vous reliez finalement cela à, vous parlez de deux événements, premier événement qui est survenu lorsque vous étiez en école secondaire, c'est-à-dire on traduirait ça au lycée, hein, chez nous, ouais. Où vous avez été finalement des garçons sont venus un peu pour se bagarrer avec vous. Et puis actuellement, vous avez dû, vous dites, déménager de force de chez votre mère parce que ça ne se passait pas très bien avec son compagnon. Exactement, oui. Mais ça, c'est il y a un an et demi, non? Oui, mais et puis un an et demi plus tard, c'est elle qui doit maintenant déménager, dans le fond. Parce que c'est terminé, là, enfin. Hein? C'est terminé. D'accord. Ouais. Et vous avez, donc, dans l'appartement où vous vivez, alors, c'est votre propriétaire, hein? Oui, habitant, donc, il est là, en dessous de nous. Alors, votre propriétaire qui est, qui a des comportements assez réactifs, pour le moins, puisque vous décriviez qu'un jour, vous aviez mis la musique un peu fort, et lui avait, en réaction, mis la sienne également assez fort, et il avait tapé dans un conduit assez violemment, et ça avait déclenché beaucoup de peur chez vous. Ouais, vraiment. Je sais pas pourquoi je me disais, ben voyons, je vais aller voir pourquoi qu'il fesse dehors, pourquoi qu'il cogne, mais non, j'étais vraiment reclus là. Un peu pétrifié, un peu tétanisé. Ah oui, vraiment. Par la peur. Ouais. Alors, et d'ailleurs, de vous-même, vous associez tous ces événements, hein, comme finalement qui vous associez à de l'agression. Hein. Vous associez à des agressions. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous disiez que vous avez besoin d'être, quand vous êtes chez vous, d'être dans votre bulle. Ah oui, vraiment. De vous constituer une bulle. Comme si, de toute façon, même sans parler de bruit extérieur, même les bruits de pas, me disiez-vous, des voisins, c'est mal insonorisé chez vous. Oui. D'une certaine façon, vous vous agresse un peu d'entendre les autres. Oui. Faisait intrusion dans cette bulle. Oui. Déjà enfant, vous aviez besoin de vous constituer une bulle. Hein, pardon? Est-ce que déjà enfant, vous aviez besoin de vous constituer une bulle? Enfant, oui, absolument. Oui, j'ai toujours été comme ça, oui. Pourquoi? Ça, c'est clair. Là. Je sais pas pourquoi, honnêtement. Même, je me souviens... Ça, c'est, je le dis même ouvertement à des gens des fois. Même quand j'étais petit, les gens m'appelaient pour aller sortir dehors, puis je disais non, je fais du ménage. Puis dans le fond, je faisais pas de ménage, j'avais 9 ans, on s'entend. Mais non, j'ai toujours été dans mon monde, besoin d'écouter énormément de musique, besoin d'écouter en podcast votre émission. Ça me plaît parce que justement je peux comme mais là vous êtes grand là quand vous dites en podcast mais enfin vous avez d'ailleurs vous avez bon aujourd'hui 27 ans mais je veux dire quand vous étiez plus petit, c'est-à-dire je vous demandais est-ce que cette bulle qu'est-ce qui se passait dans, elle était faite de quoi cette bulle? Vous écoutiez de la musique? Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là dans mes choses à moi. J'écoutais de la musique, je rangeais mes choses. Vous rangiez? Oui. Je suis comme quelqu'un d'ordonné. D'assez ordonné? Un peu à l'excès, là, je l'avoue. Assez? Un peu à l'excès? Oui, quand même. Ouais. Mm-hmm.
Mais c'est plus, tu sais, moi, bon, oui, on peut se pencher sur le pourquoi. Moi, dans ma tête, j'essaie plus de le voir comme un tempérament où ça fait vraiment partie de ma personnalité. Est-ce que vous vous sentiez un peu seul? Ouais, des fois, ouais. 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 Est-ce que finalement, c'était aussi une façon... Est-ce que vous vous imaginiez... est-ce qu'il y avait un côté un peu monde imaginaire? Est-ce que vous vous racontiez des histoires? Pas tant, non. Pas tellement? Non, non. Non, donc c'était plutôt la musique qui venait combler ça, ranger. Ouais. Mais vous vous racontiez pas tellement d'histoires autour de cela? Non. Non, non. Je ne me créais pas d'autres réalités, non? Pas d'autres réalités? Non, non, non. Juste besoin d'être vraiment comme en paix, là. Et votre réalité, à vous, elle était faite de quoi, à ce moment-là, quand vous étiez enfant? Oui. Ben, on vivait... J'ai un frère plus vieux, on vivait avec notre mère, là. Ma réalité était faite, je pense, de normalité, là. Et votre père était où? Ben, mes parents sont divorcés depuis que je suis jeune, mais ils étaient prêts, ils habitent près, là, puis on le voyait les fins de semaine, là. Il était présent pour vous? Ouais, ouais, mais c'est sûr que c'est très différent parce qu'avec ma mère, dans le fond, je suis quasiment fusionnel, là. On est vraiment, on s'entend vraiment bien pour vrai, là. C'est pas comme une fausse fusion, là. C'est, tu sais, on a vraiment une bonne entente. Avec mon père, j'ai eu moins d'affinité. Mais c'est plus, tu sais, on a une bonne relation au sens où c'est respectueux, mais c'est moins, je suis beaucoup moins près de mon père que de ma mère, ça c'est sûr. Là. Mm-hmm. Donc quand vous avez dû déménager, vous dites bien de chez votre mère, ça a été un crève-cœur pour vous. Vous dites d'ailleurs de force, hein? Oui, parce que c'était pas planifié, puis ça dérangeait pas à ma mère que je reste là parce que je venais tout juste de finir mes études. À l'université, donc c'était pas du tout prévu, fallait que je me trouve un emploi, puis au moment où je suis parti, je venais tout juste de décrocher un emploi après 7 mois de recherche, puisque j'étais nouveau diplômé, c'était pas facile, puis j'étais pas du tout sûr de l'aimer, mon emploi, puis effectivement, bon, en fin de compte, cet emploi-là, je l'ai pas aimé, je l'ai fait pendant 1 an et demi, parce que justement, j'étais un petit peu obligé de le garder. Tandis que si j'avais pu rester chez ma mère, j'aurais pu vraiment prendre le temps d'être très sélectif dans l'emploi que j'aurais voulu occuper. Donc, je me retrouve 1 an et demi plus tard, ça n'a pas marché avec mon employeur. Fait que bon, là, je suis en recherche d'emploi. Ça, c'est pas si pire, parce que j'essaie de vraiment garder ma confiance en moi. Mais au moment, justement, au pire moment où j'ai besoin de cette confiance-là, c'est-à-dire en recherche d'emploi, mais là, depuis 2 jours, là, c'est comme tombé vraiment mort. Là. Je sais pas pourquoi. Pourtant, la semaine dernière, j'étais super confiant, ça allait super bien. Puis là, avec cet événement-là, on dirait que je me dis, là, j'ai plus de repères, j'ai pas d'emploi, j'aurais envie de déménager ici, mais je peux pas vraiment parce que c'est pas très conseillé à moi-même de déménager en plus d'une recherche d'emploi. Puis il y a ma mère aussi qui déménage, puis je sais que c'est vraiment difficile pour elle. Pourquoi c'est difficile pour elle? Parce qu'elle se sépare d'une histoire qui a duré 10 ans, dont elle n'était pas capable de se séparer pour des raisons qui lui appartiennent à elle. Oui. C'est son histoire, desquelles j'ai souvent voulu me détacher parce que justement, en étant inspiré de ce que vous dites, je lui disais non, non, c'est pas sain, t'es pas censé me parler de m'impliquer autant dans ton histoire. Puis, là, elle le fait, mais... la personne, elle a comme arnaqué aussi financièrement et tout, là. Donc là, bon, elle s'en sort, mais j'ai l'impression qu'elle est comme pas stable elle-même. Puis là, je me ramasse comme à moi-même à être d'autant plus affecté par l'espèce de mauvaise relation avec mon propriétaire en bas, qui est peut-être aussi une paranoïa complète de ma part. Hein. Paranoïa, le terme est fort, hein, Sébastien. Ouais, ouais, mais ouais, non, je pense que vous êtes fragilisé en ce moment par un ensemble de choses.
Et notamment le fait de d'être en recherche d'emploi. Cette, vous savez, ce que vous avez vécu là, en ce moment, cet événement qui pourrait paraître banal, hein, de ce propriétaire qui, en réaction à votre musique, se tape comme ça dans le mur et tout, a fait ressurgir cet événement du passé où vous avez cette bagarre. Ou bon, que vous avez mal vécu, cette séparation qui a été difficile, des choses comme ça où au fond, vous voyez, ça montre bien qu'il y a des, on est toujours parfois rattrapé par certains événements du passé qui n'ont pas toujours été très bien digérés. Et à un moment de votre vie où vous vous sentez un peu fragile et où vous restez, vous le dites, le problème c'est la confiance en vous. Un peu, pas tellement confiant, parce qu'au fond, vous avez une relation fusionnelle avec votre mère, et j'irais trop fusionnelle. Vous en avez conscience d'ailleurs, et, tout en me disant qu'au fond, ce qu'elle vit, c'est son histoire. Certes, c'est pas facile pour elle de se séparer d'un homme avec qui elle est restée 10 ans, mais c'est son histoire. Elle est adulte, votre mère, elle va y faire face. Oui. Vous avez votre vie à construire, d'homme, actuellement vous êtes à la recherche d'un emploi, vous allez finir par en trouver, et puis il est normal qu'à un moment vous quittiez le nid et que vous voliez un peu de vos propres ailes. Mais parfois quand on est un peu trop collé à sa mère, et que quand on est un garçon et que le père a été peut-être un peu absent, même s'il était présent, vous le voyez en fin de semaine, mais après, il pouvait être là, mais peut-être pas suffisamment comme il aurait pu l'être. On peut rester, ça peut donner des garçons qui sont un peu sur deux, finalement. Peu sur deux. Peu sur deux, ouais. Donc, ouais. Ça se travaille, la confiance en soi, vous savez. C'est une bonne un peu dans une forme d'insécurité affective qui peut ressurgir comme ça, sous des formes, à l'occasion de différents événements. J'ai l'impression aussi que, tu sais, la plupart des gens de mon âge, justement, ils ont un emploi, ils n'auront pas à chercher un emploi, puis ils sont en couple et tout. Puis moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un autre sujet. Là, mais il n'y a pas de temps de perdu. Hein. Vous avez, encore une fois, 27 ans, hein, Sébastien. Donc, Oui, mais ça ne m'intéresse pas, on dirait, d'être en couple, parce que je trouve que, je ne sais pas, on dirait que je suis désespéré, que je ne trouverai jamais quelqu'un. Tu sais, mon aspect solitaire, il se répercute aussi dans ce sens-là, au sens où je choisis de ne pas être en couple. Puis... Mais vous avez déjà eu des relations? Ouais, mais pas beaucoup, non. Oui, mais pas beaucoup, ça veut dire que vous en avez quand même eu. Oui. Oui. Mais je crois qu'il y a effectivement quelque chose d'un repli un peu sur vous-même, d'un isolement, d'une forme de il y a quelque chose de cette bulle un peu. Il faudrait comprendre pourquoi qui s'est mis en place assez tôt. Hein, c'est pour ça que je vous demandais un peu quel genre de petit garçon vous étiez, et donc qui pouvait être entre guillemets une cible pour les autres, et notamment pour des garçons qui pouvaient repérer un peu cette différence, ces failles, et donc comme devenir un peu être un peu un souffre-douleur. Donc c'est important de travailler là-dessus. Et de dire qu'il n'y a pas de fatalité à ça. Parce que de pas vous enfermer là-dedans en disant « je suis désespérée, c'est pas pour moi, le couple, l'emploi ». Parce que franchement, vous êtes vraiment très jeune pour parler comme ça. Non, alors que vous soyez actuellement un peu assez malheureux et assez... je l'entends, hein, je le comprends. Mais faites-vous aider dans ces cas-là. Mais je suis normal ou... Ah mais oui, ça n'a rien d'anormal ce que vous évoquez. C'est une fragilité
qui, je pense, remonte à assez loin. Et donc, c'est pour ça qu'il est important d'aller en parler. Ça, ça n'a rien d'anormal. C'est une, c'est quelque chose qui, je pense, où il y a un certain sentiment de d'insécurité intérieure. Ouais. Et donc, dans ces cas-là, vous repliez sur vous-même parce que le monde extérieur vous paraît menaçant. Ouais. Alors, exactement. Vous restez dans votre petite bulle, et plus vous restez dans votre bulle. Où, ben oui, c'est douillet, confortable, mais du coup, plus le monde extérieur vous paraît dangereux. Ouais, et plein de menaces. Mais au fond, cette bulle, elle vous paraît de moins en moins agréable aussi. Donc, ça fonctionnait jusqu'à un certain point, et puis à un moment, vous vous sentez de plus en plus à l'étroit dans votre bulle. Parce que vous vous rendez compte aussi, quand même, en grandissant, alors pas, il y a plusieurs façons de grandir, en grandissant, c'est-à-dire en regardant autour de vous, un travail sur vous va vous aider à grandir aussi psychiquement, les autres avancent dans leur vie, et puis que vous avez le sentiment de faire du surplace. Mais ça arrive, chacun évolue à son rythme. Donc c'est là que, faites-vous aider. Allez en parler. Au Québec, il y a de très bons thérapeutes. Hein, ouais. Mais bon, c'est... Qui pourront vous aider, voyez, à faire ce cheminement personnel et à un peu crever votre bulle pour aller explorer le grand monde. Parce qu'il est vaste. Je suis capable, hein, c'est ça le pire. T'sais, des fois, je suis peut-être très, très capable. Mais je n'en doute pas. Où... Je n'en doute pas que vous en êtes capable. Le monde est vaste et il y a plein de choses à explorer, Sébastien. Donc, ça vaut le coup de crever un peu cette bulle. OK. Mais il faut vous en donner les moyens. Oui. Mais mon sentiment de... Comment je fais pour essayer d'apaiser l'espèce de sentiment comme au cœur que j'ai depuis 2 jours, depuis l'épisode des coups? C'est quoi? Il faut que je me relaxe? Faut que... Mais alors, justement, là, ça a déclenché de l'angoisse, hein? Ouais, ça a déclenché de l'angoisse, donc c'est pour ça certainement que vous êtes plus, peut-être vous avez un peu de mal à, je sais pas, à respirer. Enfin, vous vous sentez un peu pris dans un étau. Il y a peut-être quelque chose. Un peu parano, là. Je vais dehors puis je suis comme un peu. Oui, oui, oui. Ouais. Donc, je crois que je vous dis, c'est pour ça. Allez voir un spécialiste, allez voir un thérapeute pour en parler. Okay. Parce que c'est justement en parlant que, je vous dis, parano, c'est beaucoup trop fort pour ce que vous décrivez. Non, c'est un terme qu'on utilise du coup. Oui, à tort et à travers. Ouais. C'est pas ça la paranoïa. Hein. Non. Les vrais paranoïaques ne disent pas qu'ils sont paranoïaques. Ils sont convaincus d'avoir toujours raison sur autrui. Et... Donc non. Ça n'a rien à voir. Je reçois un message d'ailleurs de Romuald qui dit « Je me retrouve parfaitement dans le témoignage de Sébastien. Je me demande s'il n'a pas grandi avec un complexe d'infériorité, ce qui peut contribuer à ce sentiment qu'il a aujourd'hui d'être agressé, d'être réactif à des événements même mineurs. J'ai aujourd'hui parfois encore du mal à gérer cela, dit Romuald, même si ça s'est amélioré. » Allez vraiment en parler, Sébastien. Ça va vous aider. Ben, merci beaucoup, Caroline. Je vous en prie. Vraiment, je vais continuer à vous écouter, puis je vais continuer à appeler, je pense, pour réagir aux autres témoignages des auditeurs. Alors, à appeler, ça sera compliqué, parce que de l'étranger, on ne peut pas nous appeler, le 3921, mais vous pouvez nous envoyer des mails. Oui. Hein? Puis vraiment, je voulais vous dire, vous êtes formidable. Moi, j'écoute, je suis vraiment... Vraiment, votre travail, j'ai pas de mots pour décrire à quel point vous êtes excellente. Là. Bah, c'est gentil, merci Sébastien. Comment on dit au Québec, on dit quand on dit un bec, c'est ça, quand un on s'embrasse. Gros bec. Un gros bec. Ouais, un gros bec. Je vous fais un gros bec. Fait que je vais aller manger du sirop d'érable en passant à vous puis en continuant d'écouter. Oh, arrêtez, ça me donne faim. Allez, merci un beaucoup, gros bec Caroline. Alors. Je vous... Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Bye. Christophe Maé, La Rumeur.
Un message de David pour Sébastien qui dit « Il ne faut pas s'interdire de vivre et surtout, il ne faut pas s'interdire d'aimer et d'être aimé. » Et puis, Johan, revenez sur le témoignage de Françoise qui, décidément, a suscité beaucoup de réactions. Johan nous dit « J'ai déposé une main courante et pourtant, je n'avais pas de preuve, sauf une conversation téléphonique. C'est déjà une preuve. Je suis maintenant en paix. Alors, bon courage à elle. Gérard avait raison dans tout ce qu'il lui a conseillé. On accueille maintenant Candy. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Candy. Oui, oui, je vous appelle pour ma fille qui a 30 ans. Oui. Elle a commencé à travailler à l'âge de 23 ans. Mm-hmm. Et dès le départ, elle a eu des difficultés, c'est-à-dire que, disons qu'elle a commencé dans un cabinet d'audit, et c'est un poste très 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 difficile. Évidemment, elle n'avait pas d'expérience et tout. Et par la suite, elle a changé. Là, elle travaille dans une banque. Mais dès que le travail devient, c'est-à-dire dès qu'elle voit que la situation change, qu'elle va voir des choses qu'elle ne maîtrise pas très bien, et ben elle souffre terriblement. Elle panique. Elle est dans un état de détresse lamentable. Et à un point de presque plus travailler du tout, elle peut plus travailler, elle a du mal à s'occuper de ses affaires, de sortir. Et là, justement, il va y avoir un remaniement dans son service. Disons qu'elle est cadre, elle est responsable de son service. Oui. Et elle va avoir d'autres responsabilités, mais elle sait très bien que ça va être très dur parce que elle n'a pas eu la formation qu'elle devait avoir pour que ça lui permette d'être un peu plus à l'aise. Et donc voilà, elle est en très très mal en ce moment. Et moi, j'essaie de l'aider d'après tout ce que je peux lire à droite et à gauche. Mais ça ne suffit pas. Et voilà, disons qu'il y a un problème. Sa grand-mère, du côté de mon ex-mari, j'ai entendu qu'elle avait ce problème-là, qu'elle ne supportait pas du tout la moindre difficulté dans son travail, la moindre critique. Ça la rendait très... ça la rendait malade. Mmh. Et ma fille, c'est ce qu'elle me dit, c'est qu'elle ne peut rien, elle ne peut pas empêcher ça. Elle sait que elle doute beaucoup d'elle-même. Elle doute. Disons que c'est vraiment, c'est ce qu'elle me dit, c'est quand vraiment elle voit les difficultés devant elle, elle sent qu'elle va, qu'elle va avoir du mal à faire face, et c'est là parce qu'autrement, elle était brillante. Mais oui, non, mais yes, c'est ce qu'elle doute alors qu'au fond, elle n'aurait pas de raison, mais ça n'est pas lié à ses capacités, hein. Il y a des gens qui se trouvent moches alors qu'ils sont très beaux, hein. Ce n'est l'image négative que l'on peut avoir de nous-mêmes n'a rien à voir avec ce que l'on est réellement, souvent. Vous voyez, c'est visiblement, oui, votre fille réussit bien. À 30 ans, elle est à la tête d'un service au sein d'une banque. Alors maintenant, on peut comprendre, ça semble assez légitime qu'un remaniement au sein du service lui crée des inquiétudes. Mais... ça, c'est normal, le changement est toujours source d'inquiétude. Mais pour autant, bon, vous semblez dire qu'elle est toujours très angoissée. Bah, c'est par rapport à son travail, oui, depuis que qu'elle a commencé à travailler. Dans les études, elle était pareille ? Je n'ai jamais eu à m'occuper de ses études. Elle a toujours géré tout seul. Et disons qu'elle était assez exigeante envers elle-même, donc c'est moi qui devais essayer de la freiner un petit peu. Mais non, ça a été son problème, c'est un problème. Mmh. Et c'est un rapport avec son travail, c'est ça que... Dès qu'elle voit qu'il y a des choses très dures, enfin qu'elle ne connaît pas, c'est vrai que tout à l'heure je parlais avec elle au téléphone et j'ai un peu mieux compris, c'est pour ça que je vous appelle, parce qu'elle me dit, tu vois, on prend de... Ils vont faire de... Je sais pas comment elle m'expliquer ça, c'est-à-dire qu'ils vont... c'est des choses qu'ils n'ont jamais fait dans ce service-là. La banque, elle prend de nouvelles responsabilités, enfin des affaires qu'ils n'ont jamais traitées. Et donc, elle ne sait pas du tout comment s'en sortir parce que elle ne doit pas être la seule. Elle ne doit pas être la seule, en l'occurrence. Hein.
Oui, il paraît qu'il y a quelqu'un au-dessus d'elle, que cette personne-là, elle est très inhumaine et que. Et je pense qu'évidemment, la banque, elle ne fait pas tout ce qu'elle devrait faire pour former les gens comme elle devrait le faire. Et voilà, c'est que vraiment, l'avoir souffrir comme ça, c'est terrible. Parce que... Donc, elle se confie beaucoup à vous. Oui. Et elle a un problème avec son supérieur, c'est ça? Disons que c'est une personne qui ne fait pas peut-être ce qu'il devrait faire. C'est-à-dire? Il laisse aller un petit peu les choses. Parce qu'il devrait y avoir une personne qui devait le former là pour le remaniement et pour tous les choses qui vont, les projets qui vont entreprendre, que c'est des choses nouvelles. Elle peut demander ça. Elle peut demander une formation à ce moment-là par rapport. Ça pourrait déjà lui donner un peu plus confiance en elle, c'est-à-dire demander à la DRH à avoir une formation par rapport à ce remaniement. Voilà, c'est ce que je lui dis, mais elle m'a dit c'est quelqu'un d'inhumain et il le fera pas. Il pense que ça va aller, mais évidemment je. Oui, mais après tout, elle peut dire, moi, étant donné la restructuration du service, toutes les nouvelles données, je souhaiterais pouvoir faire une formation. C'est au contraire bien perçu. Ça demande, ça veut dire qu'elle est prête à, qu'elle accepte, qu'elle est désireuse de se former, de, vous voyez, qu'elle est plutôt ouverte à cette restructuration. Enfin, c'est plutôt bien perçu, hein, un salarié qui est demandeur de formation. Donc, elle n'a pas à avoir peur de faire une demande de formation à ce moment-là auprès de la DRH. Elle redemande à cette personne. Et puis, sinon, elle en parle au DRH. Mmh. Et le fait, le rapport qu'il peut avoir avec sa grand-mère, qu'est-ce que vous en pensez? Pas forcément, non, ça c'est vous qui faites le lien. Pourquoi, elle était très proche de cette grand-mère? Non, pas du tout. Héréditaire, hein? C'est pas héréditaire? Ah ben non. Ben non. Et des fois, on entend parler de la psychogénéalogie. Je me suis dit peut-être qu'il y a un problème comme ça. Oui, enfin, c'est pas non plus dans le, c'est pas non plus dans le côté systématique, hein, des choses. Hein. Ouais. C'est pas, ouais, c'est, oui, bien sûr que dans la psychogénéalogie, on s'intéresse, mais comme dans toute façon dans la thérapie de type analytique, on s'intéresse aux places de chacun dans la famille, et donc on prend en compte une histoire familiale. Donc on remonte aux générations passées, dans les faits. Mmh. Donc après, tout dépend quelle place a joué cette grand-mère, mais c'est vous qui en parlez, qui faites ce lien-là. Maintenant, pourquoi votre fille a cette difficulté-là? Pourquoi je ne sais pas, il y a peut-être un lien, peut-être pas. Les choses sont souvent plus complexes qu'il n'y paraît. Mmh. Mais si vous voulez, il y a des personnes qui peuvent avoir une scolarité brillante et puis qui après, dans leur travail, peuvent être vraiment en difficulté parce qu'elles continuent à se comporter de façon assez scolaire finalement. Je veux dire par là, de façon assez infantile. C'est-à-dire au fond, sur le plan professionnel, elles continuent à être à se comporter... Oui, comme des enfants, c'est-à-dire être dans une attente de reconnaissance, de vis-à-vis de leur hiérarchie, de leur patron, et ça peut être parfois un peu compliqué pour elles-mêmes. Il y a des choses, elles se mettent parfois inconscientes. Toujours, hein, inconsciemment, dans une position où le supérieur hiérarchique va incarner pour elles une figure maternelle ou une figure paternelle. Donc, si elles ont des difficultés avec cette figure-là, eh bien, elles vont les répéter inconsciemment.
Donc, il peut, si vous voulez, y avoir des choses à travailler là-dessus pour s'affirmer et faire la part des choses. C'est-à-dire que dans le travail, on n'est pas le petit garçon ou la petite fille qui pouvait entrer en conflit ou au contraire qui était un peu passif ou qui n'arrivait pas à s'affirmer ou voyez. Donc c'est dommage, là il y avait un livre, j'ai plus en tête les références, mais je le donnerai demain parce que il était pas mal fait justement sur la souffrance au travail et sur on en parle beaucoup hein, la souffrance au travail, mais sur aussi ce en quoi ça pouvait résonner avec des blessures que l'on pouvait avoir en nous. Et c'est en ça que cette approche pouvait être différente, même si la souffrance au travail est liée à l'attitude au dysfonctionnement de l'entreprise, à des personnes qui peuvent se conduire de façon perverse, et que dans ces cas-là, il faut pas hésiter à avoir recours au syndicat, à la loi, il faut pouvoir se défendre, évidemment. Mais là, ça semble pas être le cas de votre fille. Oui. Mais disons que moi, je pense peut-être qu'elle est très exigeante envers elle-même. Ça semble, oui. Et qu'elle ne supporte pas de ne pas être à un certain niveau. Et c'est possible, ce que vous dites aussi, qu'elle veuille peut-être aussi être... garder cette place un petit peu, comment vous dire, depuis son enfance, elle a toujours été brillante en tout. Oui. Toujours. Et je me demande si dans son travail, elle veut aussi garder cet aspect-là de sa personnalité, peut-être envers ses supérieurs ou envers ses collègues, et le fait que lorsque ça devient difficile, elle pense de ne pas pouvoir y arriver, que ça la... Je ne sais pas s'il n'y a pas aussi... Elle se met, semble-t-il, une pression considérable, c'est-à-dire avant même. Voilà. Parce que quand je vous disais, au fond, que ça doit être difficile pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a des données qui, pour le moment, ne sont pas maîtrisées, c'est une phrase que vous avez dit qui m'a fait dire cela. C'est-à-dire que votre fille n'était pas la seule dans ce cas. C'est-à-dire qu'elle était, comme les autres, confrontée à quelque chose de nouveau. Donc c'est pas comme si elle se sentait la seule à dire oh là là, je ne maîtrise pas, mais elle a besoin de maîtriser. Mais c'est-à-dire que c'est elle la responsable, c'est elle le cadre. Je comprends. Donc il faut qu'elle soit dans le savoir, il faut qu'elle sache, voilà. Oui. Bon, alors évidemment, il faut pas qu'elle pour asseoir son autorité, elle peut pas se permettre de dire désolé, je ne sais pas, je suis pas au courant. Voilà, oui. Mais bon, elle aura évidemment les informations, sinon, pour le coup, il y a quelque chose qui dysfonctionne, si on met en place quelque chose et qu'on ne l'informe pas. Pour autant, vous avez raison de dire que elle veut être dans la maîtrise absolue. Et elle a une trop grande exigence, une image comme ça, idéale d'elle-même, qui fait que elle s'autorise aucun droit à l'erreur, aucun droit. Bon, alors vous me direz que faire des erreurs dans l'entreprise, c'est risqué, évidemment, parce que souvent on vous les pardonne pas. Mais sans parler même d'erreurs, enfin, elle est en phase où elle va apprendre. Elle apprend aussi. Or, il faudrait qu'elle soit tout de suite au top. Voilà, c'est ça. Elle veut toujours être la meilleure, la plus performante. Je ne sais pas si c'est par rapport aux autres. Je pense. Non, c'est par rapport à elle-même. Pas trop par rapport aux autres, mais c'est par rapport à elle-même. Voilà. Elle a une exigence, c'est ça. Et au fond, cette exigence trop élevée peut finir par à un moment la faire craquer. Pourquoi ? D'où vient cette exigence vis-à-vis d'elle-même ? Où elle ne s'autorise pas le droit à l'erreur. Alors ça doit, je ne sais pas si c'est uniquement dans le domaine professionnel ou mais cette barre, je dirais, placée trop haut. Ah oui, c'est surtout dans le domaine professionnel, oui. Oui, mais ça a été comme ça dans les études. Et oui. Bon. Alors, elle peut-être l'impression que si elle était un peu défaillante, on l'aimerait moins.
c'est possible, oui. Et c'est là où... Ou qu'elle ne se sente pas en sécurité. Ah, mais certainement, il y a une insécurité majeure derrière tout ça. Et ça peut amener des personnes, d'ailleurs, qui ont des attitudes très tranchées et très tranchantes, hein, ce type de fonctionnement, qui ont du mal à être mis en question. Parce que du coup, certaines personnes, comme ça, quand on remet en question une décision, qu'elles peuvent prendre une proposition, c'est comme si on les remettait elle en question. Alors qu'on peut parfois faire une suggestion, une proposition, bon, et puis se rendre compte que quelqu'un d'autre en fait une qui est plus adaptée ou plus puis dire sur le moment on se dit tiens j'aurais bien aimé avoir cette idée, voilà, c'est puis dire l'autre l'idée son idée est finalement mieux plus. Mais c'est pas pour autant on va pas se dire qu'est-ce que je suis nulle si on a un peu d'estime de soi, bon. Mais si au fond on est très vulnérable, on n'a pas une bonne image de soi-même, eh bien non, on supporte pas et du coup ça passe pas quoi. C'est insupportable qu'on puisse nous remettre en question. Faudrait qu'elle travaille un peu là-dessus, hein, votre fille. Dire que c'est dommage qu'elle reste. Qu'elle aille au fond toujours au travail avec cette boule au ventre. Lui dire gentiment mais fermement, lui dire ma chérie, tu places un peu la barre trop haut. Et peut-être qu'au fond vous pouvez la rassurer en disant tu sais c'est vrai tu as toujours été brillante, mais lui dire qu'au fond vous l'aimez pour ce qu'elle est, hein, pas pour les notes qu'elle vous a rapportées ou pour ce qu'elle fait aujourd'hui dans sa banque. Hein. Oui, je pense que ça, comme je vous dis, j'ai jamais eu de problème. Je ne l'ai jamais demandé des trucs. Ouais. Elle était dans les premiers, mais je ne l'ai jamais exigé. Mais peut-être que... Je ne l'ai jamais exigé, c'est vraiment au contraire. Oui, elle s'est mise... Ouais. Mais dites-lui peut-être aujourd'hui, puisqu'elle se confie beaucoup à vous. Oui. Dire c'est quand même dommage de te rendre malheureuse à ce point-là. Et dites-lui que au fond, ça vaudrait peut-être la peine qu'elle travaille un peu la question pour être, parce qu'elle serait en plus plus efficace dans son travail, je pense, et puis plus sereine dans sa vie surtout. Hein? Oui, parce que dans sa vie sentimentale, évidemment, ça lui pose des problèmes. Ah ben, je pense, oui. Ça laisse pas grand place pour sa vie. Hein. Voilà. Oui. Donc, je pense que ça vaut la peine, puisqu'elle se confie à vous, vous pouvez vous le permettre. Parce que, vous voulez, j'ai élevé seule mes deux enfants après un divorce très difficile. Oui. Je vous ai appelé il y a quelques années pour mon fils qui avait un petit problème. Ça s'est très bien passé avec votre conseil. Je vous remercie. Entre nous deux, il y avait l'entente, elle était parfaite. Je n'ai jamais eu de problème avec elle. C'était génial, génial. Mais seulement son frère, il était un petit peu jaloux. Oui. Et c'est vrai que lui, il était agressif. Et peut-être que je m'entendais un peu trop bien avec elle, la vie était trop facile avec elle, trop merveilleuse. Et peut-être que j'étais pas assez consciente que son frère à côté pouvait souffrir. Elle a fait en sorte d'être peut-être la fille idéale et parfaite. Et elle a du mal à se défaire de cette image. Bon, écoutez, maintenant, elle peut essayer de travailler là-dessus. Et le fait que son frère ait été jaloux d'elle, que lui, par contre, il était assez agressif, est-ce que ça peut pas contribuer un peu ? Je ne sais pas, ça. Je ne sais pas. Ça, c'est leur histoire à tous les deux. Vous ne pouvez pas intervenir sur tout. Mais comme elle se confie à vous par rapport à son travail, vous pourrez lui dire peut-être qu'elle aille un peu en parler, ça l'aiderait à mieux vivre tout ça. Parce qu'elle a essayé de... Elle a vu deux personnes... Oui. Le résultat était nul. Oui. Et je ne sais pas quelle porte frapper. Non, c'est pas à vous, quand on dit de frapper à cette porte. Lui dire où est-ce qu'elle... Bien qu'elle... ça peut arriver de rencontrer quelqu'un, deux personnes avec qui ça ne s'est pas bien passé, mais qu'elle ne se décourage pas pour autant. Qu'elle peut rencontrer quelqu'un. Qu'elle demande à son médecin généraliste. Il pourra l'orienter. Voilà, elle a vu un généraliste qui lui a donné le nom d'une personne et elle n'a jamais pu l'avoir au téléphone parce qu'elle doit être... Qu'elle lui redonne d'autres coordonnées à ce moment-là. D'accord. Elle trouvera, elle trouvera certainement quelqu'un qui lui correspondra mieux. D'accord. Merci de votre appel. Merci infiniment, Caroline. Au revoir, Candy. Au revoir. Bonsoir, Pascal. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Merci de me recevoir. Je vous en prie. Généralement, je vous écoute en m'endormant. Là, je
je vais prendre la parole. Je ne sais pas si je dois éteindre ma radio ou quoi que ce soit, non ? C'est bon ? Écoutez, on n'entend pas de l'Arsen, donc ça donc va. C'est bon, vous ça me va. Direz. Oui, oui. Moi, je voulais témoigner pour un sujet tout à fait personnel, mais en même temps, ce que j'ai entendu avant me fait réagir. Moi, j'ai souffert d'anorexie boulimie. Oui. Et puis, j'ai noté chez Cindy, je crois, c'est ça Candy, vous voulez parler Oui, Candy, oui. Elle parlait de son enfant qui avait besoin de maîtriser, qui avait un problème dans l'estime de soi. Voilà, donc moi, je vais donner mon parcours sur l'anorexie boulimie qui est 20 ans de ma vie. Ce que je voudrais, c'est dire à ceux qui entendent qu'on peut s'en sortir. Et les mots maîtriser, tout ça, enfin, me parlent beaucoup. Donc je vais essayer de repasser par le début. Je ne sais pas comment commencer. Alors, il faudrait que vous commenciez parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Vous avez aujourd'hui 38 ans, vous dites ça a été 20 ans de votre vie, c'est-à-dire que ça a commencé à l'âge de... À quel âge, en fait À 16 ans. À 16 ans. De l'anorexie qui a été très alimentée par la honte et donc qui s'est tournée vers la boulimie. Et je voulais dire que j'en suis sortie. Et que c'est possible d'en sortir. Il y a combien de temps ? Il y a eu la naissance de mes enfants. Oui. Qui a fait quelque chose d'immense en moi. Oui. Je pensais que j'allais accoucher d'un monstre. Ce n'est pas du tout le cas. Et puis, c'était... Enfin, je me mets dans la tête des gens qui sont anorexiques et qui se disent, comme je me disais à l'époque, jamais, jamais, je m'en sortirai. Eh bien, si, c'est possible, c'est possible. C'est possible. C'est ça que je voulais dire. La naissance de votre enfant, c'était il y a combien de temps 10 ans, hein. Ouais, 10 ans. Vous aviez peur de... Finalement, quand vous parlez d'un monstre, c'était comme si vous parliez de la monstruosité qui était en vous. Voilà, c'est ça. Oui. L'intérieur vous viviez, de moi, vous la viviez que... comme telle, oui. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Et puis, c'est devenu une fille formidable. Pas du tout ce que j'imaginais. Et arrêter de vomir a été quelque chose... C'est pour ça que je voudrais en fait témoigner. Arrêter de vomir, elle est quelque chose qui s'est passé comme si je ne m'en étais pas aperçue. Mais c'est que déjà, il y avait, vous étiez déjà dans un processus de guérison, parce que pour pouvoir mettre au monde un enfant, ça veut dire que vous aviez à nouveau des règles, vous aviez à nouveau une sexualité, ce qui est impossible, inconcevable pour quelqu'un, pour une femme anorexique. Oui, inconcevable. Mais c'est arrivé enfin, même par... pas possible d'ailleurs, hein. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. C'est ce qui signe l'anorexie, l'absence de règles. Exactement. Et c'est pour ça que... Mais pourtant, j'avais l'envie d'enfant. Oui. Et donc, on a attendu 4 ans pour avoir cet enfant. Et finalement, comme ça se passe souvent, on a eu une deuxième petite fille. Oui. Naturellement. Sans faire appel à la science. Mais ce que je voudrais dire, si je peux témoigner de ça, c'est que moi, ce que j'en souviens, ce que je retiens de tout ça, c'est qu'il ne faut pas s'acharner sur le problème, mais développer tout ce qui est possible autour. Vous voyez ce que je dis ? Qu'est-ce qui vous a aidé, justement, vous ? Parce que... Des rencontres et puis des démarches de bienveillance envers moi. Que voulez-vous dire ? Se prendre en... faire des démarches
psychologique. Mmh. Voilà, réfléchir aussi sur tout un circuit de famille. Mmh. La petite chose que j'ai comprise, en tout cas, c'est que il ne faut pas se... pour les anorexies boulimiques, qui comme moi, se dirait, je n'en sortirai jamais, ne pas se focaliser sur ça, mais ouvrir tout un tas de pétales autour de ça. Et au bout d'un moment, ça fonctionne. On a plus de... Vous voyez ? Écoutez, c'est un beau, très beau message hein, d'espoir. J'espère que pour les personnes qui souffrent de cette maladie ou pour leur famille, peut-être leurs parents, j'espère qu'ils sont à l'écoute parce que ça faisait du bien de vous entendre, de vous entendre que la vie est là et que vous avez pu transmettre également la vie. Merci beaucoup, Pascal, d'avoir témoigné ce soir à l'antenne. Je vous embrasse. Très belle nuit à vous. Faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h sur Europe 1.